Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue dans le journal Créole Info Pacifique. Ancienne directrice générale SMCRS Lan Magali Abitan ak plusieurs collaborateurs doivent remettre l'État haïtien plus passer 38 millions goud d'après un arrêt de baie la Cour supérieure des comptes. En l'autre côté, ancien responsable consulat d'Haïti dans Boston, Majorie Alexandra Brunache, doit remettre l'État plus passer 15 000 dollars américains d'après CSCCA. Secrétariat général de la présidence fait qu'on ait une disposition qui prend pour capable gain inventaire et qui bien fait non palais national après Zach Sassinaï sous ancien président Jovenel Moïse. Plusieurs organisations sociopolitiques en Haïti et République dominicaine décident de rencontrer sous frontière 31 juillet dans le cadre d'une caravane solidarité avec le peuple haïtien. Ministère éducation nationale bat bravo pour déroulement examen baccalauréat semaine ça dans diverses régions dans pays a pour couliera MINFP a préparé processus traitement à correction texture. La police a arrêté des individus qui ont tenté de faire fraude dans l'examen, d'après responsable communication MINFP, Miloudi Vincent. Nouvelle dans pays l'étranger, 30 juillet, c'est journée mondiale contre trafic moun. Il y a environ 25 millions de moun qui sont victimes de trafic ça dans le monde, lan, selon Nations Unies. Merci parce que vous êtes fidèle avec nous. La Cour supérieure des comptes a contentieux administratif rendu arrêt de baie contre ancienne directrice générale service métropolitain cap collecté résidus solides SMCRS Magali Abitan pour période avril 2017 arrivé septembre 2017. D'après audit CSCCA, Madame Abitan a fait diverses transactions l'agent qui pat cadré particulièrement avec article 3.4 et puis 5 décret 3 mars 1981 qui était créé SMCRS. Plusieurs collaborateurs concernés tout, c'est directeur administratif Ralph René, comptable en chef, Rosemont Jolicoeur, coordonnateur projet, Jocelyn Borgela ak comptable public, Madame Gil Lafleur. La Cour des comptes condamné yo pour remettre l'État 38 879 776 goud. En l'autre côté, ancien responsable consulat d'Haïti dans Boston, Marjorie Alexandre Brunache, a dû remettre l'État 15 940 dollars américains d'après CSCCA. La Cour a reproché comme quoi il y a diverses irrégularités dans la gestion. Marjorie Alexandre Brunache, c'est petit ancien président provisoire Boniface Alexandre et puis c'est madame ancien ministre justice Michel Brunache. Il était responsable consulat d'Haïti dans Boston, sorti décembre 2012 pour arriver février 2015 et puis sorti mai 2016 pour arriver juin 2017. Il était ministre conseiller tout dans l'ambassade d'Haïti dans Washington. Secrétariat général de la présidence fait qu'on a une disposition qui prend pour capable inventer bien qui fait dans le palais national après l'assassinat sous ancien président Jovenel Moïse. Le secrétariat m'a demandé mon cabinet à tout l'autre monde qui a travaillé avec l'ancien chef de l'État pour remettre sans perdre de temps dans l'administration tout bien qui n'a meilleur pour être capable de faire une série de services qui pas fonctionné encore depuis la mort tragique M. Moïse. Secrétariat baille jusqu'à 16 août pour tout le monde remettre bien ça yo, sinon c'est la loi appliquée pour capable forcer moun sa yo remettre bien ça yo qui pour l'État haïtien d'après un communiqué qui portait date 28 juillet ak signati Lionel Valbrun qui est secrétaire général palais national. L'autre nouvelle toujours, ministère économie et finance décide de couper dépenses institutions publiques qu'on fait pour acheter gaz pendant des derniers mois exercice fiscal 2020-2021 à cause situation difficile payant a fait face. Pas gagné aucune désaffectation qu'a faite concernant l'argent qui n'a aligné à ça yo d'après un circulaire qui peut être signé ministre économie et finance là Patrick Boisvert.
Ministère éducation nationale bat bravo pour déroulement examen baccalauréat yo semaine ça dans diverses régions dans pays a pour collier ya MNFP a préparé processus traitement à correction texte pas gagné aucun incident grave responsabilité enregistré et candidat yo était généralement satisfait d'après rapport direction départementale éducation yo en l'autre côté MNFP salier contribution tout parent ak agent éducatif yo dans réussite 4 journées examen ça. Vendredi 30 juillet, il y a un candidat secondaire 3 cap Sibi avant l'examen français d'après ministère qui rappelait examen pour candidat école normale instituteyo ENI ak Santé éducation familiale CEF après poursuivre dès à 3 août prochain dans centre examen respectif yo. Organisation Tako Kombit Pabda ak mouvement AJUEI annoncé pour samedi 31 juillet en caravane solidarité côté en pile organisation dans République dominicaine a vinn contrer sous frontière yon organisation kap milité dans pays d'Haïti d'après yon organisateur yo Camille Chalmers caravane lan kap pote non Jacques Vio a réalisé dans l'idée pour renforcer relation entre organisation yo kap évolué dans deux pays sa yo ki sous ilé yon militant dominicain yo a profité pote solidarité yo une bataille peuple haïtien a mené pour changer situation sociale, politique et économique pays. Camille Chalmers, à micro, il choisit la Wilkins Moïse en côté. Et justement, caravane qui pral démarrer demain Santiago et Santo Domingo, les caravane Jacques Vio. Jacques Vio, c'est pour saluer mémoire, un jeune étudiant haïtien qui était mort les armes à la main pendant qu'il a défendu la dignité du peuple dominicain face à l'occupation militaire. Gagné un groupe important d'organisations sociales, d'organisations culturelles, d'organisations politiques dominicaines qui décide de mettre en place une caravane solidarité avec le peuple haïtien. Donc, son caravane qui a sorti Saint-Domingue et qui a sorti Santiago, qui a deux morceaux, et qui pourra arriver sur la frontière Imani avec Darabang pour être capable de proclamer, premièrement, solidarité avec le peuple haïtien, solidarité avec la bataille que le peuple haïtien a menée, et qui j'ai couru volonté peuple haïtien pour venir capable de prendre destin en main. Donc, bon côté pal, Josué Mérilien, qui responsable organisation Kombit bat bravo pour initiative ça. D'après lui, ça mettait plus énergie dans le cadre de bataille contre ingérence corps groupe lan dans affaires politiques pays. Professeur Mérilien dit pas d'accord pour ces membres communauté internationale lan cap dit autorité yo ça pour yo faire par rapport à crise là. En côté. Donc, caravane de solidarité que peuple dominicain à travers diverses organisations à faire en solidarité avec le peuple haïtien, solidarité en lui, le peuple haïtien mené, pour que Haïti ait un grand monde pour le décider de Paris même. Et titre caravane même, c'est quitter Haïti décidé. C'est ça, le titre caravane, c'est le slogan, c'est quitter Haïti décidé en grand monde. Ce que c'est pas comment blanc américain à travers beaucoup qui a décidé que ça fait le pays. Qui a décidé qui nous pour premier ministre, qui nous président. Qui les élections faites, c'est pas haïtien le monde qui nous décide qui est à faire l'élection, qui nous a dirigé nous, qui côté meilleur prend. Et c'est ça, nous dit que nous apprécions d'aller et gros événement ça qui a fait dans la solidarité avec le peuple haïtien, dans la vie du peuple haïtien, qui a demandé résolution, qui a demandé au pays le monde. Nous, je salue tes bleus là. Soubopal Rachel Magloire a déclaré mouvement AJUEI a participé dans l'activité solidarité ça citoyen dominicain yo a poté bay haïtien yo pour lui-même première fois yon activité comme ça a fait en dépep yo. Rachel Magloire nan micro Hirsch Rezi la Wilkins Moïse. En 65 haïtien poté collé avec dominicain l'armée américaine débarqué avec OEA, c'est même acteur qui l'a toujours, c'est même bagaille, c'est même rapport de force. Et il y a un pile haïtien parmi lesquels Jacques Vio, qui levait campé, qui solidarisait avec lui, avec un paquet d'autres jeunes haïtiens qui étaient entraînement militaire, parce que eux-mêmes étaient entraînés contre renverser la dictature à Boïsie. Donc, l'histoire de solidarité est longue. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Nous avons chanté que AJUEI écrit que la Outrakara, mais invitez-nous à aller sur YouTube. Nous sommes capables de découvrir matériel.
que le mouvement AZEI fait, que l'artiste AZEI a créé à partir de recherches faites, à partir d'expériences que nous faisons entre nous. Donc nous-mêmes, nous pensons que c'est normal. Donc, il y a un artiste AZEI qui a sorti Santo Domingo, et nous-mêmes, nous avons un artiste qui a sorti Port-au-Prince, que nous allons rencontrer pour essayer de participer dans le geste de solidarité. Activiste politique Nélus Nérouis invité Premier ministre AI Ariel Henry pour lui organiser élection pour capable renouveler personnel politique pays. D'après militant, Ariel Henry pas de prendre aucune intimidation dans cadre démarche pour élection sa yo rive fête. En l'autre bord, activiste l'a demandé justice pour tout monde qui victime d'assassinat dans pays pendant période ça. En côté la micro Yosh Résil. Peuple a besoin de justice. Justice pour tout le monde qui a assassiné. Justice pour les journalistes. Récemment, par exemple, Diego Charles, Neti, qui a assassiné. Justice tout pour le président Jovenel Moïse qui a assassiné dans nos conditions. Personne n'est pas capable d'arriver à comprendre. Parce que c'est le président tout haïtien, quelle que soit la divergence politique, pour être capable de gagner avec. Mais il faut que nous bataillons pour le 59e président, pas passer, puis mal ou bien, même gens. Avec Jovenel Moïse, autre chose. C'est PHTK qui dit que c'est président, Liné Baltazar, c'est président PHTK. Pendant Jovenel a bien ensemble, assassiné, Liné Baltazar a été dans un groupe de monde, groupe Zamil, yo a négocié le pouvoir. Et moun sa yo, c'est yo qui a fait toute bien promotion, qui a parlé de, comme quoi, pour traiter Jovenel de tous les maux du monde. Nouvelle dans le pays, l'étranger. 30 juillet, c'est journée mondiale contre le trafic de monde. Il y a environ 25 millions de monde qui sont victimes de trafic ça dans le monde d'après les Nations Unies. Si on crime trafic de monde, côté réseau mafia, il n'y a pas de suspendre avec pratique ça. Sur le continent africain, il y a plusieurs pays comme le Nigeria, côté trafic de monde après poursuivre. Victimes, il y a prendre un piège comme quoi il a fait voyager dans l'autre pays et puis c'est dans prostitution yo la geyo ou bien comme domestique yo retrouvé yo dans pays sa yo yo kon fè yo travail pendant longtemps dans l'idée pour faire payer l'argent trafiquant yo di yo dépensé pour yo pendant voyage yo gen je fois qui fait côté la police arrêté en pile trafiquant moun grâce à collaboration plusieurs pays mais ça pas assez pour combattre question trafic moun lan d'après organisation droit moun yo. Journal non fini pour aujourd'hui à la madame Missy. Merci parce que tu as choisi télévision Pacifique pour informer. Bon week-end.